brûlé yo. Wandende tribende la brûlé la bofe. Wandende tribende la brûlé yo. Wandende tribende la brûlé la bofe. Bande Congo. Ba politicien na biso. Ba komisango. Toyokana. Le thème, c'est à donner du son, des jolis sons, mais il faut être un peu moins bavard. Parce que c'est lui qui doit parler. D'accord ? Essayez d'être plus souple avec ça. Et vous aussi, les gars, quand c'est l'orchestre qui joue, on a un certain volume. Et quand il y a le chanteur qui arrive, on met le volume de croisière. Vous voyez on... Et Vim, ça c'est aussi de ta responsabilité, parce qu'à la batterie, on se doit d'annoncer ces choses-là. Quand on va baisser, quand on va monter. Ok? Let's go. On est au bar avec une flopée de bons musiciens, très motivés, très assoiffés d'apprendre, très assoiffés. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça montre que mais qu'il y a un besoin, qu'il y a un réel besoin de venir dans cette partie du monde, de gérer un peu ces petites carences. Et comme à l'africaine, je veux dire, tout le monde se débrouille tellement tout seul, tout le monde est autodidacte, tout le monde a. Et quand on vient comme ça les voir, c'est vraiment une source d'inspiration aussi, parce que c'est super le sentiment qu'on a de donner de l'eau à quelqu'un qui a soif. Quoi. Quelqu'un qui a soif, et dès qu'on lui donne de l'eau, on voit son visage, alors là c'est vraiment génial. On va continuer avec Francis, tous les deux dièses. C'est ok. Ce que lui il a, que nous comprenions ce langage là et que nous puissions aller plus loin. C'est ça. Si nous parvenons à ça, le stage est à 100% réussi. C'est vrai. Sans qu'on dérange ce que lui il joue, mm-hmm. qui est notre base à nous. C'est ça. Parce que lui c'est notre base. C'est ça. Si nous parvenons à jouer avec lui sans le déranger, mais au contraire qu'on lui amène notre accompagnement, mm-hmm. à nous. Parce qu'il faut qu'il nous corrige, on va faire des erreurs au début, qu'il nous dise « Ah non, c'est pas là ce que j'entends, c'est pas ça. Oui. » Petit à petit, on peut arriver à quelque chose qui est un rêve pour toute l'Afrique. Oui. Toute l'Afrique rêve
de pouvoir continuer cette musique et d'aller plus loin. Voilà. Dans les traditionnels, ce qu'on appelle les traditionnels, il y a des bons, il y a des mauvais. Et dans ce qu'on appelle les modernes, il y a des bons et des mauvais. Maintenant, nous souhaiterions simplement avoir des musiciens africains modernes qui sont nourris de leur tradition. Point final. Donc voilà, je vous présente ce grand musicien moderne nourri de sa tradition. Yakuba. Kana namba muter kana namba muter kana namba muter.